Adrien. Dis-le-moi, Marinette. C'est Lucas. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu dérailles complètement. Tu sais ce que je vais te faire? Ce moment est le plus cool. Surtout quand il a esquivé le coup. C'était vraiment cool, mon frère. Oh, mais depuis quand vous êtes devenus si amicaux? Mais nous avons toujours été amis. Ah bon? Ce ne serait pas depuis le moment où Lucas est devenu un fan de chat noir? Marinette, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu... Non, mais regarde ce qu'il leur fait. Ce papillon est devenu maléfique. Chat noir va te mettre une raclée. Oui, c'est sûr. Encore ce chat noir. Sa confiance en lui me rend fou. Il m'a encore humilié. Vous ne devriez pas gaspiller votre sang-froid et votre énergie avec ce chat noir. Pouvez-vous me laisser m'occuper de lui? Faites comme vous voulez, Mayura. J'ai besoin de réfléchir. Ne me dérangez plus. Chat noir, je ne te laisserai plus offenser le papillon. Je vais t'humilier et tu vas perdre toute confiance en toi, à jamais. As-tu vu son célèbre crochet du droit? Non? Est-ce qu'il a un coup spécial? Je ne le savais pas. Je veux voir ça. Attends un peu. Je vais trouver le passage. Hein? Tout le monde? Oui, on dirait bien. Vous avez reçu un signal de Mayura. C'est un message à l'attention de Chat Noir. Si tu tiens vraiment à Ladybug, tu dois venir seul à ce rendez-vous. Tu seras le seul à connaître l'heure et le lieu de ce rendez-vous. Parce que toi seul es capable de lire ces messages. Je t'attends, Chat Noir. C'est un sacré retournement de situation. Oui, tu as raison. Écoute, je dois sortir. J'ai oublié d'appeler mon père pour lui dire qu'on ira aux courses de chevaux, au karting et tout ça. Oui, bien sûr, vas-y. À plus. J'espère que Chat Noir n'est pas assez stupide et qu'il n'ira pas à cette réunion. Il faut que je prenne contact avec lui. Alors, voyons les messages. Dans le métro, 22h. Qu'est-ce que tu fabriques, Mayura? Mais où est-elle? Tu ne sembles pas pressée, Chat Noir. Alors, dites-moi, Mayura, qu'est-ce que tu comptes faire avec Ladybug? Moi? Rien. Mais toi? Qu'est-ce que c'est? Je croyais que c'était un piège. Maintenant, voyons comment tu vas agir. Car ton amour pour elle va se transformer en mal. À partir de ce jour, votre amour est une malédiction. Splag, comment suis-je rentrée? Où est-ce que j'ai passé la nuit? Pourquoi tu me colles? J'ai mal à la tête! Adrien, salut mon ami! Où étais-tu parti hier? Salut Adrien! Salut Marinette! Où étais-tu hier? Tu vas pas le croire, mais je me souviens pas du tout. Alors, tu as dû prendre une vraie cuite hier. Désormais, tu n'es plus son amour. Tu es sa malédiction.
Oh, les cookies, je les ai oubliés. T'en veux, Adrien? Oh, super, mangeons-les tout de suite. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Du dentifrice? Est-ce que tu trouves ça drôle? Mais je comprends pas. Dentifrice? C'est pas moi. Maintenant, c'est ton tour, Alia. Hein? Voici un foulard. Donne-le à Lucas et surtout remercie-le bien de te l'avoir prêté. Mais pourquoi? Je ne l'ai pas emprunté. Et en plus, c'est l'écharpe d'Adrien. Tu es mon ami ou pas? Tu dois faire ce que je te dis. Je t'expliquerai tout plus tard. Ok. Merci de m'avoir prêté ton écharpe. Tu es un ami. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je... Pourquoi tu prends mes affaires? Pourquoi tu as fouillé dans mon sac? C'est du dentifrice? C'est quoi ce bordel, Lucas? Je n'ai rien fait. Je ne l'ai vraiment pas fait. C'est pour ça que tu t'assois avec moi. Tu voulais flirter avec ma copine. Tu aurais pu acheter ta propre écharpe. Pourquoi tu me parles comme ça? Baisse le ton. Alors tu sais quoi? Quoi? Oublie ça. Maintenant, passons au plan suivant. Salut Lucas. Salut Marinette. Comment vas-tu? Super. Et toi, ça va? Oui, bien. Écoute, on pourrait aller au cinéma. J'ai 2 billets. Il y a un film sur le rock et je crois bien que tu es un pro. Tu pourrais m'expliquer tout le film, hein? Non, je ne suis pas ce genre de pro. Ne sois pas timide. Tu es un vrai pro. Bien sûr. Super, je t'adore. Alors, on ira juste après l'école. En attendant, je vais dire à Alia que nous ne ferons pas nos devoirs ensemble. D'accord. Oh, tu es un vrai amour. Allons-y, Marinette. Partons, Adrien! Mais arrête! Pourquoi tu pleures? Non, ce n'était pas par méchanceté. Enfin, je suppose. Qui est-ce qui ne se comporte pas comme un homme? Je ne peux pas le dire, Adrien. Mais dis-le-moi, Marinette. C'est Lucas! Quoi? Eh bien, je vais... Mais qu'est-ce qu'il t'a pris? Mais pour qui tu te prends? Tu dis n'importe quoi! Tu sais ce que je vais te faire? C'est fait! Enchantement terminé! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Adrien, mais pourquoi tu retiens Lucas? Marinette, répète un peu tout ce que tu m'as dit. Enlève tes mains! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? C'est insensé! Ne t'approche plus de moi, espèce de fou! Est-ce que tu vas bien, Lucas? Est-ce que tu te moques de moi, Marinette? Mais pourquoi tu dis ça, Adrien? Tu me mets dans tous mes états. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu t'es jeté sur moi. Reprends-toi, Adrien. Mais je ne comprends rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Eh bien, papillon. Blague, comment suis-je rentrée? Où étais-je la nuit? Et où est-il?
Sors de là. Allons-y comme ça. C'est très étrange pour une fille qui rampe. Il n'y a personne. Qui ? Tu dois prendre l'écharpe. Tu dois la tenir dans tes mains. Qu'est-ce que tu cherchais ? Des biscuits. Et il y a des cookies. Et ici, les cookies ont été trouvés. Je n'ai pas fait ça. Pas encore bousculé.